Est-ce qu'on peut faire de l'aréna entre viewers? Si vous gagnez cette aréna, vous gagnez un skin et Karim par tête. Vas-y, prends ce que tu veux, Rulo, moi j'adopte. J'ai mis quel t-shirt aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai le rôdeur, les gars. Mais celui-là, c'est le t-shirt prototype, j'ai pas l'étiquette. Bah en vrai, là, c'est Vayne, les gars. C'est ma Vayne. Bon, par contre, je connais pas les nouveaux items, je sais pas s'ils ont changé quelque chose. Ok, c'est parti. Il me king en haut. C'est quoi ces stats et Hawaii? En vrai, c'est cool le mode 2v2. C'est vraiment que du PVP comme je l'aime. Oh là. Ok, la synergie entre Morgana et Vayne, c'est pas trop ça quoi. Il est où le 7? Attends, mais il est mort le 7? Il est mort de quoi? Ça vous ferait plaisir les gars samedi si on fait un tournoi 2v2? Le revive et le cœur assis à 3000 stacks, tu vas voir si c'est cool. Ah ouais? À chaque manche, le premier mort de votre équipe explose, c'est useless. Vous gagnez 300 d'accélération d'objets, c'est useless. Vos attaques appliquent de la brûlure cumulable à l'infini. Ça, c'est pas mal ça. En fait, c'est juste que moi, je me suis dégoûté du ladder 2v2 parce que ben, je l'ai trop spam avec la sortie du truc. Mais dans un concept fun et tout tournoi, je trouve ça stylé, tu vois. Sur une journée. On joue contre Darius et Sylas. Ok, faut hit and run en front to back. Et la cage. Nice. Pour reboot. Il y a le heal en haut. Attends, what? Il revive. What? C'est quoi ça? Il doit aller sur le truc là? Il faut qu'il rentre dedans là? Mais c'est par round qu'on peut revive? Ok, ouais, c'est ma première arena, les gars, depuis qu'ils l'ont mis en place. Là. No joke, c'est fort, Morgana Vayne, parce qu'elle m'empêche de prendre les CC. Ok, combat de malade, là. Contre deux corps à corps. Ok. Et alors vous vous amusez là les gars? Oh, c'est illégal Vayne. Je fais quoi? Je fais BRK là en vrai. Vas-y BRK. Mais le pire c'est qu'avec ma Morgana, le seul timing où je suis faible, c'est le timing où elle va me black shield. Ah, cœur acier sur 7 les gars, ils sont en train de tester la technologie là. Ok, là le but c'est de tuer Hawaii.
Ah oui, c'est fun. C'est nice. Eux, c'est vraiment un combat de brute là. Renekton Trundle, mec. Là, il a juste à attendre le revive en vrai. Par contre, Trundle, ça pue la merde en 2v2, d'accord. Qu'est-ce que c'est ce combat? C'est OP? Je sais pas, le perso il a pas de late game, du coup je me demande avec quel augmente il est vraiment fort le champ. Wouah, j'ai infligé pas mal de dégâts quand même avec Brasier. Après être immobilisé pendant... vous devenez invisible. Après être resté... Ouah, c'est de la merde. Ouais, c'est genre le passif de Timo quoi. Invoque un mur de glace. Putain, oh, pour le E de Vayne. Ouais, mais ça pue la merde, ça va perdre, je vais perdre de mes sorts. Vous gagnez l'âme des océans. Ça peut être pas mal ça. Je pense qu'il doit avoir mieux. 15 de dégâts. Ça c'est... Oh, repoussement. Oh là, ça c'est broken. Le repoussement c'est broken, ça veut dire que dès que je vais mourir, ils sont repoussés. Du coup, si je joue contre des corps à corps, c'est-à-dire ben, contre eux par exemple, je vais gagner de la range. Bah alors les gars, faut nous prendre des rounds. Je crois que je vais faire des économies sur le skin des Karim, mais y'a que Rul qui va le gagner. Ginzo. Après, je vois pas une compo qui me fait peur en fait. Vu qu'ils ont que des trucs pour venir au corps à corps, Vayne c'est fort comme ça, le Black Shield aussi, et j'ai le truc pour repousser, donc ouais, mais la Morgana elle est en forme là, what the fuck, elle l'a tué. Elle l'a tué en... What? Il y a un portail. Qu'est-ce que c'est? Il y a un portail frère. Ok, bon on n'a pas perdu un HP encore. Je pense que je fais Shilbo, hein. Shilbo pour la protection, en plus de ça ils vont être repoussés si je tombe low life. Je vois pas comment ils gagnent les gars, je pense qu'on va pas perdre en round. Hein. T'es Morgana là en bois, hein. Putain, ils sont en train de se trash talk les gars, j'en peux plus. Ils sont insoutenables. Oh là, reviens. Oh là. C'est pas évident. Oh là, what the fuck, Hawaii. C'est dur là. Nice. Eh oui, il est fait de brûlure infinie en plus. Je suis mort comme une merde. Eh, Renek et Trundle, ça gagne les rounds quand même. Ok, donc là c'est le truc. Vous êtes attaché à votre allié. Ça peut être huge, mais bon. Ça c'est fort ça, Révolution Ultime. Une fois par main, je vous annulez le dé de récupération. Mais je prends ça, comme ça je suis perma sous furtif. On dirait qu'un
J'ai deux ults là. Ça veut dire que je suis en permanence invisible. Ça l'a repoussé. Attends, mais Morgana est morte. Merde. Ah mais il faut rester dedans. Putain. Ouais les gars, on a pas perdu un HP, on massacre les viewers là. En plus je suis sûr que si je vais sur Discord, je vais voir Tservoujet et Nismo ensemble. 100% ils sont en vocal full tryhard. Ah, ils m'ont fait mentir, peut-être qu'ils sont en appel privé. Eh oui, ils sont en vocal, VVVV. Ils sont en vocal privé, c'est trop grave. Full try, frérot. Oh, mais V le combo de Zezing. Trundle Renekton, VVVV. Ah, c'est sûr qu'entre deux compos au corps à corps, ça a du sens, quoi, mais... Je suis en train de voir quoi là? Oh the fuck! Mec, c'est que no joke, je n'arrive même pas à comprendre les sorts qui partent là. Qu'est-ce que. Oh le. Mais quoi? Mais what the fuck, la vitesse qu'il a! Ils ont quoi? Ils ont pas grand chose dans CC. Vas-y. T'as de lentilles? Oh, vous êtes bravo. Faut faire avec. Merde! Je croyais que c'était bon. What? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai le R de Jean? Attends, c'était quoi les gars? J'ai pas compris là. Applaudissons les vainqueurs de la manche. L'aventure s'arrête pour l'équipe Krug. J'ai appuyé sur Ghost et j'avais une ultime de Jean. Ah, c'est un rapport avec la map, ça, hélas. Votre portée d'attaque est augmentée de 75. Ben, c'est fini. Mais qu'attends, la range que je vais avoir. Je l'ai tué à la brûlure. Fais les viewers. Loser. Loser. Eh bah écoute, celle-là je la mettrai sur YouTube en vrai, elle peut être sympa. J'ai fait gagner, je voulais faire gagner des skins et Karim. Les viewers sont pas assez bons pour me battre en 2v2. Voilà, c'est qu'est-ce que je te dise. On a testé un truc sympa sur Vayne. Les dégâts sont colossaux. J'ai chopé le meilleur viewer de la planète, frérot. Morgana, on n'a pas été battu une seule fois. Si vous aimez, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du mode 2v2. D'ailleurs, si vous m'écoutez, sachez que ben, j'ai un site internet autour des Decimus et une aventure. Vous avez le lien dans la description. Ça vous fait venir tout simplement sur mon site internet officiel. Il y en a qui ont peut-être raté l'information. Il y a des tournois tous les samedis. Vous avez 3 factions. Vous pouvez choisir comme dans Harry Potter votre faction suivant le lore et tout. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer autour de ça. Vous avez des cadeaux tous les 3 mois, toutes les saisons à gagner si vous êtes haut dans le classement. De toute façon, je vous invite à check le site. Il y aura plein d'informations sur celui-ci. N'hésitez pas à venir. Du coup, samedi, du coup, quand vous regardez la vidéo, normalement, on est jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc, samedi, du coup, qui arrive, on fait un tournoi 2v2v2.
sur le live, donc n'hésitez pas à venir participer pour potentiellement gagner des fragments de Spartanite et peut-être vous hisser le plus haut possible dans le classement. Je vous attends avec grand plaisir. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous et rendez-vous demain. Ciao.